de on à la place de nous, etc. Exemple, hé Mathie, grouille maintenant. On est en retard. Je te l'avais bien dit. Ils sont pas là. Voyez qu'il y a quelques lettres qui sont avalées à la langue orale. Le deuxième niveau ou registre de langue, c'est le niveau standard ou écrit. Comme le nom l'indique, on l'utilise en classe, dans la presse, les moyens de communication comme la radio, la télé, etc. pour les reportages, les documentaires, les nouvelles ou les exposés. Il se caractérise par un vocabulaire simple, compris par tout le monde, phrases complexes ou simples. Les règles de grammaire sont respectées. Exemple, allez Caroline, dépêche-toi, nous serons en retard. Je te l'avais bien dit qu'ils n'étaient pas chez eux. Le troisième niveau ou registre de langue, c'est le niveau soutenu ou recherché, employé dans la littérature. Un raffinement de la langue standard. On le reconnaît par l'emploi d'un vocabulaire plus riche, des structures de phrases plus complexes, des figures de style élaborées et dans l'utilisation de modes et de temps de verbes qui sont normalement peu employés. Le langage soutenu est peu utilisé à l'oral, mais fortement employé dans les romans. Exemple. J'avais la conviction qu'ils étaient absents de leur domicile et je crains fort, chère Mathilde, que nous ayons désormais quelques retards. Aussi, attends-nous. Je vous en prie. Voilà pour cette séance. Pour la séance de l'appropriation sur la nouvelle Auchan, elle sera faite demain dans une prochaine séance. Merci de votre attention. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pour me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous profiterez de mes cours. Très grand courage pour les contrôles. Soyez heureux et à bientôt.